Pendant la période des fêtes de fin d'année, l'étoile de Noël est la plante en pot la plus populaire. Très décorative, elle se montre tout aussi séduisante en bouquet, d'autant plus qu'elle se conserve très longtemps, à condition toutefois de savoir comment traiter correctement les tiges une fois coupées. Les bractées, nom des feuilles colorées de l'étoile de Noël, se conservent plus longtemps si l'écoulement du suc laiteux est stoppé juste après la coupe. D'après les découvertes scientifiques les plus récentes, l'idéal est de plonger les tiges coupées pendant 5 secondes dans de l'eau chauffée à 60 degrés, avant de les mettre ensuite pour quelques secondes dans de l'eau froide, additionnée de produits conservateurs. Selon la variété de poinsettia, un bouquet traité de cette façon tiendra jusqu'à 4 semaines. Après avoir subi ce premier traitement, les tiges d'étoiles de Noël permettront de réaliser un somptueux bouquet. Les bractées de grande taille apportent un volume généreux, un argument appréciable surtout en hiver, période à laquelle les autres fleurs coupées sont très chères ou se trouvent moins facilement. Le poinsettia étant proposé dans une multitude de couleurs, les fleuristes peuvent laisser cours à leur créativité en utilisant par exemple des accessoires tels que du feuillage, du ruban sur fil métallique et en associant à la composition de la gypsophile. En guise de décoration finale, un bel accessoire conférera à votre bouquet une élégance digne de Noël. Et oui, en bouquet aussi, l'étoile de Noël a des allures de star.